Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Aymeric. Mon métier c'est de supprimer les gaspillages dans les processus. Et avec ma femme, on a décidé de supprimer les gaspillages dans nos vies. Donc je vous encourage vivement à aller voir la vidéo de présentation que j'ai faite. Donc l'objectif de cette vidéo là est de vous présenter, donc la première chose qu'on a fait, hein, c'était de choisir un terrain pour vivre notre vie autonome et sans gaspillage. Donc, je vous explique tout ça, c'est dans la vidéo qui explique le pourquoi du comment. Donc il y a toujours dans la vidéo une partie théorique, et après je vous montrerai un petit peu sur la deuxième partie de la vidéo, un petit peu le concret et comment ça a été fait. Donc là, sur la partie théorique, c'est un petit peu la méthode et les outils qu'on a choisis pour choisir notre terrain. Donc la première étape, c'est un outil aussi que je vous montre, vous pouvez l'utiliser, c'est cette question. Donc des questions, voilà, ce qu'on appelle la méthode QQCCP. Donc c'est cette question que je me pose quand je fais les choses. Donc j'utilisais souvent dans mon métier pour standardiser. Donc là, c'est des questions que je me pose pour être sûr que j'ai bien pris tout ce qui tenait autour du problème et pour être sûr que, notamment ici, lors des présentations, j'ai bien répondu à l'ensemble des questions majeures, on va voir, hein, qu'on se pose. Donc la première question, c'est qui ça concerne ? Ok, donc le qui. La deuxième question, c'est quand ? Quand est-ce qu'il faut le faire ? Quand est-ce qu'on va commencer ? Donc, vous parlez un peu des délais. La troisième question, c'est où ? Où je vais chercher ? Quatrième question, c'est quoi ? Qu'est-ce que je vais chercher ? Comment je cherche ? Combien ? Combien ça va me coûter ? Et enfin, pourquoi je fais ça ? Donc, première question, où ? Facile, hein, vous prenez votre maison et vous tracez un cercle autour. Plus vous êtes loin, plus les travaux vont être difficiles, parce que plus la logistique va être difficile. C'est-à-dire que si je veux loin, ça veut dire que je dois y rester plusieurs jours. Si je reste plusieurs jours, il faut que je puisse y vivre, alors que sur le terrain, en règle générale, ce qu'on va choisir au début, il n'y a rien. Parce que si vous prenez un terrain qui est déjà une maison, c'est pas le même prix. Voilà, donc en fonction du budget que vous avez, généralement, on va prendre un terrain vierge. Et si on est un peu loin, avec la logistique, c'est très compliqué. Si on est trop près, souvent, on va voir dans le qui. Hein. Trop près, c'est trop cher. Parce que, on va le voir, un des qui, c'est qu'on est un citadin, on vit en ville, et que les terrains proches des villes sont très chers. Donc on va aller s'éloigner un petit peu pour réduire les coûts aussi. Donc le juste milieu que moi, j'ai trouvé, c'était d'aller entre 1h et 1h45 de route. Donc moi, je vis en Île-de-France, 1h et 1h45 de route, c'est le temps que je mets pour aller travailler, hein. C'est le temps que beaucoup mettent pour aller travailler. Donc c'était ce que je jugeais, moi, étant le bon écart pour trouver le terrain en termes de logistique dans un premier temps pour faire les travaux. Alors, point important, hein, vous pouvez toujours aller chercher près de la mer, hein, pour essayer. Mais même dans les mers du Nord, même sur les côtes pas peu touristiques, dès que c'est proche de la mer, c'est plus cher. Et c'est pareil pour les montagnes. Si vous dites oui, je vais m'acheter un petit terrain en montagne, et c'est cher. Et deuxième chose, en montagne, vous allez voir que dans le quoi c'est important, c'est la pente. Ça va être très compliqué de faire, surtout si vous n'avez pas d'outils. S'il y a un peu de pente, c'est très compliqué pour faire les terrassements. Donc on va retrouver quoi ? On va retrouver dans votre terrain, vous allez faire attention à l'orientation, à la surface. Est-ce qu'il est viabilisé ou pas ? Est-ce qu'il est constructible ou pas ? Et est-ce qu'il est droit ou pas ? Donc là, et en montagne, c'est déjà plus compliqué. Donc les choix qu'on a fait, nous, orientation, c'est classique sud. Bon, on veut faire de la culture. Si je veux pouvoir cultiver, il faut qu'il y ait du soleil. S'il y a du soleil, c'est mieux si c'est au sud. Et j'ai appris, faites attention aussi, hein, que ce soit abrité. Attention au vent, surtout en ce moment où il y a la tempête. Si votre terrain il est plein nu et que tout nu, il n'y a pas d'arbre à côté, il n'y a rien à côté, attention, dès que vous allez mettre quelque chose, vous allez être en plein vent. Et là, il va falloir faire des choses de solide. On va voir aussi ce que nous, on a choisi de faire. Et on a eu par chance, finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup de vent sur notre terrain. Surface, 2200 m², c'est ce qu'on a trouvé. On partait sur 1000. Et au final, quand on a fait le plan un peu de tout ce qu'on avait à faire, on s'est dit, 2000 m², c'est bien. Hein, ça, tout va dépendre des activités que vous allez faire dessus.
Sachant qu'au minimum, il doit vous nourrir. Donc certains disent qu'il faut au moins 500 mètres carrés hein, pour avoir un potager ou suffisamment de surface pour arriver à vous nourrir, à faire des essais, avoir des arbres. Hein, on va parler des fameux jardins, forêts-jardins, pour planter suffisamment d'arbres, pour pouvoir aussi avoir des fruits et tout ce qui va avec. Viabiliser, bah, c'est possible. Ça, c'est pas obligatoire. Pourquoi ? Parce que encore que c'est pas obligatoire, mais bon, sans autant d'électricité, pas obligatoire, parce que vous pouvez mettre un système de panneaux solaires, c'est ce qu'on va voir aussi par la suite. Mais autant pour l'eau, ça devient vite compliqué. Sinon, faut un point d'eau à côté avec une pompe, parce que tout le temps des travaux, vous allez avoir besoin d'eau. Sachant qu'après, c'est pas non plus bloquant. C'est que dès que vous allez commencer à mettre des toits, dès que vous allez mettre en danger, ben vous pouvez pouvoir faire de la récupération d'eau de pluie. Et c'est aussi des choses qu'on va vous présenter. Et là, vous pourrez après être moins dépendant de cela. Mais dans un premier temps, si vous n'avez pas accès à l'eau, ça peut être compliqué. Constructible, possible. L'avantage, c'est la revente. L'avantage, c'est que ça vous laisse plus de flexibilité. Et si j'ai bien pris un truc dans mon métier, c'est que la flexibilité est très, très, très importante. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc si c'est trop rigide et trop dur, bah, votre terrain ne va pas pouvoir s'adapter à ce que vous allez pouvoir faire ou pas. Le constructible rend possible à ce qu'un jour, on ne puisse plus voyager, bouger, faire ce qu'on veut, et de pouvoir y mettre une structure plus dure hein, et plus permanente. Et enfin, voilà, j'explique le niveau. Plus c'est droit, moins vous aurez de travail de décaissage lorsque vous allez bien mettre les abris de jardin, des yourtes, des maisons, des tentes, tout ce que vous voulez. Si ce n'est pas plat, difficilement habitable. Vous pouvez faire la culture, pas de problème. Y vivre, y habiter, ça c'est plus. Qui ? On va voir, ça concerne bah, être tout seul, c'est compliqué. On va voir, donc ça on faut une équipe, minimum d'équipe. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul et vous voulez faire ça, il va falloir être costaud. Parce que déjà, l'équipe vous permet de trouver des solutions, de trouver des idées. Vous allez partager, ils vont vous donner des choses. On va voir, il y a plein de choses qu'on m'a données. Ça s'appelle souvent un citadin. Je viens en campagne, les gens, je leur dis 2000 mètres carrés, mais attends, bah, ça c'est facile, je l'ai, quoi. Tu crois que j'achète, j'ai pas besoin, moi j'ai déjà. Donc souvent, ces besoins-là vont s'exprimer par des citadins. Il faut être un écolo, un minimum, hein. Il faut accepter de vivre au milieu de la nature, par exemple, d'avoir les toilettes sèches, de se dire, voilà, je vais les répéter à chaque fois, hein. Dites-vous, hein, quand vous faites caca dans de l'eau potable. Vous allez dire ça à... aux 80% de la planète qui n'ont pas forcément accès tout le temps à de l'eau potable, ils disent que bah, moi je fais caca dans l'eau potable. Voilà, faut bien se dire ça, hein. Dites-vous ça maintenant quand vous dites ça. Vous allez vous dire, ah, voilà, je fais caca dans l'eau que je pourrais boire. Et il faut être un peu bricoleur, parce que si vous faites faire, bah, comptez hein, 60 à 90 euros de l'heure, si vous faites intervenir quelqu'un, bah, ça va vite monter au niveau du chiffre et du coût total. Quand ? Bah, dites-vous quoi, si vous voulez commencer demain vous faites la culture, hein, il va falloir entre 4 et 6 mois pour le trouver. Comme une maison, hein. Minimum. Hein. Oh, non, au maximum, je pense, parce que là, une maison, plus diversifiée, c'est plus difficile, il faut un prêt. Là, on parle d'un terrain, je déconseille de faire un prêt pour un terrain, donc il n'y a pas le prêt à te trouver, donc c'est pour ça que les délais sont souvent plus courts. Mais bon, entre le besoin, la recherche, la visite, le compromis et la vente, entre 4 et 6 mois, sachant que les deux-là sont des délais, c'est des minimums, c'est des délais légaux, donc on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Comment ? Bah, vous allez dans Google, hein, vous allez ou directement, vous allez vous rendre dans la ville et dans les agences immobilières. Vous prenez rendez-vous, puis vous allez visiter. Par Le Bon Coin, on trouve beaucoup, hein, Le Bon Coin, c'est par là que j'ai trouvé, hein. Vente immobilière, vous faites dans le site vente immobilière, vous allez dans le terrain, et là vous faites terrain, pardon, et vous mettez dans la recherche. Vous mettez dans c'est l'avantage, hein, c'est que c'est un rayon, vous mettez dans le rayon que vous êtes défini à 1h45 sur route, ça fait à peu près 100 km. Voilà. Et bah, au bout, dans un rayon de 100 km, il va vous donner tous les terrains à vendre. Bah, sinon, vous allez voir sur Google Earth, hein, vous avez directement l'adresse, vous allez choper l'adresse et puis vous allez sur le... Si vous avez l'adresse, vous allez voir sur cette site, ça va vous donner un petit peu l'image du terrain. Une fois que vous avez fait tout ça, ça vous permet de situer l'orientation, ce qu'il y a autour, voilà, l'espace, les voisins, etc. Donc ça c'est un bon outil pour bien situer votre terrain sans avoir à le visiter s'il est un peu loin. Et puis peut-être vous déplacer inutilement, hein, vous utilisez comme là, le satellite, la vision satellite, et ça va vite vous permettre de voir un petit peu ce que c'est.
Combien? Donc en termes de coût, pour moi, ce qui rentre dans le prix, c'est le coût du terrain, le prix de l'agence, le prix du notaire, la clôture. On va voir, souvent les terrains que vous allez trouver sont pas clôturés, sont peu ou pas clôturés, les portails. Donc là, pareil, des fois il y a des terrains, donc le nôtre considéré, il n'y avait pas d'ouverture. Donc il faudra rajouter un portail, hein, que vous faites vous-même, que vous faites mécanisé, un grand ou pas. Après on va voir, c'est les frais de location d'une vidéo, ce qu'on a fait, donc qui concerne nous l'ouverture, la pose du portail, le choix qu'on a fait, toutes les démarches, hein, parce que sur votre terrain, il faut demander un accès. S'il n'a pas d'accès, il faut demander un accès. Parce que il faut pouvoir demander l'autorisation au département qu'on puisse ouvrir une partie du terrain. Donc il faut peut-être aussi faire des travaux parce qu'il y a peut-être un fossé qu'il faut combler. Et il faut faire des travaux au niveau du fossé. Tout ça, c'est le département qui choisit et qui vous autorise ou pas à vous donner si vous pouvez faire l'ouverture ou pas. C'est comme tout. Vous allez voir que pareil, je vais vous faire une vidéo administrative, il y en a partout. Donc le coût total, on a pour 16 600 euros pour 2035 mètres carrés constructibles. J'avais pas de portail, j'avais pas d'ouverture, rien. On était à côté de la route. L'avantage, c'est que j'avais pas de travaux sur d'un point de vue fossé. Hein. J'ai juste eu à retirer la haie et à fabriquer le portail. La clôture, j'étais clôturé sur 3 des 4 côtés. Notaire, on a eu. Agence, non, on est passé par le bon coin, donc on n'a pas eu de frais d'agence. Et le prix du terrain qui était très abordable avec une dame charmante. Pourquoi? Voilà. Pourquoi faire ça? C'est avoir de l'espace. Voilà. J'ai jamais connu la vie en maison, je sais pas ce que c'est, hein, comme beaucoup d'entre nous. Donc avoir enfin quelque chose où on peut, surtout en ces périodes de post-confinement, on peut être libre, rester chez soi et quand même pouvoir sortir plus loin que sa chambre, plus loin que son salon, c'est quand même pas mal sans forcément quitter chez soi. C'est quand même un atout, c'est une force aujourd'hui. Pouvoir cultiver soi-même et manger sainement, tout ce qu'on veut, à moindre coût. Parce que généralement, quand on dit manger sainement, c'est manger cher aussi. Être autonome, revenir à l'origine. La primaire, c'est être capable de pouvoir survivre de manière seule. Être plus proche de la nature. Savoir que vous allez voir, j'ai découvert que mes plus proches voisins, ceux que je vois le plus, c'est un mouton. C'est un bélier en l'occurrence, hein, qui vient me dire bonjour, je vais lui donner à manger, maintenant à chaque fois que je viens, il vient me dire bonjour. Et c'est de pouvoir multiplier ses activités. Voilà, c'est pouvoir vendre des vidéos, pouvoir louer, si on fait une yourte, si on fait un peu, de pouvoir partager ce terrain et partager ça avec d'autres personnes en le louant. C'est de pouvoir faire d'autres activités. Hein. Alors qu'en maison, je peux pas faire, hein. Je suis limité. Parce qu'il y a des voisins, parce que j'ai pas la place. Alors que quand tu as la place, on peut bricoler, on peut fabriquer. Voilà. Toutes les choses nous sont ouvertes. Plus de choses nous sont ouvertes, en tout cas. Voilà pourquoi. Donc, la suite de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu. Vous allez voir un petit peu concrètement à quoi il ressemble. Et voilà. Donc nous y voilà, nous voilà sur le terrain maintenant, donc on voit l'herbe était haute à l'époque, on est du côté où il n'y a pas la clôture, qui donne sur un autre terrain, où là aujourd'hui il y a des moutons, donc on voit que l'herbe était très haute, hein, elle n'a pas beaucoup été entretenue. On est du côté du voisin, avec la vue on est deux pommiers, qui étaient pleins de gui. Donc ces arbres dépassaient de, on le voit, hein, entre 1 mètre et 2 mètres sur le terrain, sur la prise du terrain. Donc on voit pas, mais il est assez bosselé quand même. Hein, mais bon, après voilà, un coup d'engin et ça peut se résoudre. Hein, c'est pas le plus gros des problèmes. On aperçoit ici donc un ancien clapier à lapin qu'on souhaite, mon épouse et moi, reconvertir en réfrigérateur, voilà, sans énergie, en l'isolant, ça fait quand même une grande zone de rangement, en l'isolant parfaitement, et, ça serait été comme hiver, pouvoir y stocker les produits du potager. Donc là, on avance encore un petit peu, on approche un petit peu, donc on voit à peine ce qu'il peut y avoir chez le voisin, et vice-versa.
Donc, anciennement, c'était un terrain qui était associé à la maison qu'on voit en face. La propriétaire donc a divisé en ayant une partie maison et une partie de ce terrain-là qu'on a récupéré. Donc, on voit cette partie a une clôture, hein, on la voit ici. Donc, voilà, c'est un ancien pré à moutons également. Donc, que la propriétaire prêtait gracieusement ce terrain-là pour que personne puisse y mettre ses moutons. Donc là, la vue de drone. Donc là, on voit que l'herbe, j'avais coupé l'herbe, hein, donc il faisait sec, c'était quand même assez jaune. On voit bien les rangées des passages que j'ai fait avec la débroussailleuse. Donc il n'y a rien dessus, hein, vraiment, il est vierge. Deux grands arbres. Donc on voit que là, en plein soleil, il y a peu d'ombre, hein, mis à part sur la côté des arbres. Vu maintenant un peu plus bas, donc les deux pommiers, les grands arbres à côté, la vue, voilà. Voilà. Donc l'objectif avec tout ça, hein, c'est d'essayer de réduire le gaspillage, voilà, d'être un peu plus autonome. Voilà, donc je vous dis merci et à une prochaine vidéo.